Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ce sera une recette de crumble au cabillaud et à la courgette. C'est délicieux, vous allez voir. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un plat à gratin. Il vous faudra 400 g de cabillaud, deux courgettes, un oignon, deux gousses d'ail, 3 œufs, 20 cl de crème fraîche, 100 g de comté, du sel, du poivre. Et pour le crumble, il vous faudra 100 g de farine, 100 g de beurre salé, 100 g de comté. Je commence par précuire le cabillaud au cuit-vapeur, 5-10 minutes grand maximum. Ensuite, pendant que je fais revenir mon oignon dans un peu d'huile d'olive, je prépare mes courgettes. Donc, si vous avez une râpe, c'est mieux, mais moi je n'en avais pas, donc j'ai pris le hachoir. Voici mes courgettes hachées, donc je les mets avec mes oignons dans la poêle. Je mélange les 3 œufs avec la crème fraîche et le comté. Je verse ma préparation œuf, comté, crème fraîche dans mes courgettes. Puis je viens verser le tout dans mon plat à gratin. Je préchauffe mon four à 200 degrés. Ensuite, je passe au crumble. Donc, dans un saladier, je mets la farine, le comté, le beurre. Je mélange pour obtenir une consistance sableuse. Je viens mettre le crumble sur le mélange courgette cabillaud. Et voilà, mon crumble est prêt à être enfourné pendant 35 minutes à 180 degrés. Et voilà, mon crumble est prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me dire si vous avez également refait la recette chez vous.
En tout cas, moi, je me suis régalée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.